Moi qu'elle est baissée de niveau. Putain, ça donne envie de simoler ce truc. Ouais, bah oui. Donc je vais vous demander, tous les grévistes, de se mettre en ligne, derrière nous. Peut-être les caméras de reculer un peu parce qu'on est nombreux. Voilà, mettez-vous tous derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est une assemblée générale et il y aura bien un vote. Reculez peut-être les caméras pour que vous puissiez voir tout le monde. Voilà, venez derrière, tous les grévistes derrière. Il y aura un vote. Mais aujourd'hui, cette assemblée générale, on va la dédicacer à tous ceux. Bon, par contre, c'est pas parce qu'on est groupé que c'est le bordel. Alors, aujourd'hui, nous sommes en grève depuis 34 jours. 34 jours, mais qui l'eût cru ? Nous, agents de la RATP, nous, agents de la SNCF, des professeurs, on a tenu, on a fait le job. Et notre job, c'était quoi? C'était de tenir. Alors aujourd'hui, cette assemblée générale, on va la dédicacer à tous ceux qui nous regardent depuis des semaines et des semaines, à tous ceux qui ont de la sympathie, à tous ceux qui ont donné de l'argent à la caisse de grève, à tous ceux qui ont dans leur tête cette question: mais qu'est-ce que j'attends pour les rejoindre? Ne nous regardez plus! Rejoignez-nous! Il est temps qu'à partir! Ne nous regardez plus! Rejoignez-nous! Ne nous regardez plus! Rejoignez-nous! Ne nous regardez plus! Rejoignez-nous! Alors, on s'adresse à tous les ouvriers de ce pays, à tous les employés, à les infirmières, aux femmes de ménage, aux coiffeuses, à tous éboueurs, à tous ceux qui en chient dans ce pays et qui sont très nombreux, à ceux qui bossent en horaire décalé, à ceux qui travaillent le samedi, le dimanche, à ceux qui travaillent les jours fériés, qui quittent leur famille, les jours fériés, les Noëls, pour assurer le service public, notamment les infirmières, les cheminots et les agents de la RATP. À tous ceux qui savent que travailler jusqu'à 64 ans, c'est pas être installé dans un salon et se faire maquiller, mais c'est en chier et savoir qu'ils ne pourront jamais travailler jusqu'à cet âge-là. Donc je me dresse à eux. Et si un jour dans votre vie, si un seul jour dans votre vie, et on espère d'autres jours, vous devez venir à une manifestation, vous devez vous mettre en grève, eh ben c'est le jeudi 9, c'est le jeudi 9 qu'on doit avoir un raz-de-marée dans les usines, dans les entreprises. Le jeudi 9, la peur va changer de camp. Il faut que Macron, il se chie dans son ben. Alors, je laisse la parole à mon ami Béranger. Allez, bébé. Allez, bébé. 34 jours de grève. Une grève historique. Sans doute la plus longue de ce pays. Sans doute la plus dure, mais aussi la plus noble. Celle de la défense, de la solidarité intergénérationnelle. Celle de la fraternité. Celle de l'entraide. Alors, à tous ceux qui sont oubliés par ce gouvernement, à tous les oubliés de la Startup Nation, à tous les oubliés qui souffrent de la pénibilité, qui souffrent du chômage, qui souffrent du précariat, rejoignez-nous, rejoignez la grève, menez la lutte, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers du pays dans lequel on est, soyez fiers des valeurs qui sont écrites sur le fronton de toutes les mairies, liberté, égalité, fraternité, ces mots résonnent dans nos têtes, ces mots résonnent dans nos cœurs. Alors portons-le dans la rue, soyons fiers de ce que l'on est, soyons fiers d'être des ouvriers, parce que jamais tous ces riches ne doivent oublier une chose, c'est qu'il y aura toujours
la sueur des pauvres sur leur argent. Toujours. On a toujours été la richesse de ce pays. C'est nous qui avons produit toutes ces richesses. C'est notre pays. C'est notre travail. Et c'est notre avenir aujourd'hui qu'on défend. Alors oui, s'il y a bien un jour dans votre vie où il faut poser le sac, comme nous on dit les cheminots, s'il y a bien un jour où il faut que vous repreniez votre bien, eh bien c'est le 9 janvier. Le 9 janvier, descendez dans la rue, faites éclater votre colère, faites éclater votre haine de ce gouvernement qui vous méprise, qui vous crache à la figure. Combien de promesses ils nous ont fait? Souvenez-vous leur élection, souvenez-vous les mensonges sur lesquels ils ont été élus. À la fin de la première année, il n'y aura plus de pauvres. Il n'y a jamais eu autant de pauvres. Avec le CICE, il devait créer des milliers, des millions d'emplois. Il n'y a jamais eu autant de licenciements dans ce pays. Et pourtant, les richesses coulent à flot. Les riches en sont toujours plus riches. Eh bien, nous, nous leur disons, aujourd'hui, le 9 janvier, nous venons récupérer notre bien, notre honneur, ce qui a fait notre pays, ce qui a fait notre force, et surtout, l'héritage de grands noms qu'était le Conseil national de la Résistance. Notre pays n'est pas un pays en cendres, n'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche. Et nous, les pauvres, on vient récupérer notre bien. Et le 9 janvier, c'est tout le monde dans la rue. Il n'y a pas de personne. Hasta la victoria, c'est prêt. Alors on peut penser ce qu'on veut de la trêve qu'ils ont décrétée et qui n'a pas été respectée par 80% des sections 1 de sa ferroviaire, dont nous à PSE. On est en grève avec les copains de Sud, la CGT, depuis le 5 décembre. On est toujours là, on n'a pas fait de trêve, on n'a pas cessé de mouvement et on restera dans l'unité syndicale aussi longtemps qu'il le faudra. Le 9 va être une journée extrêmement importante. On a en face de nous un gouvernement contre cette réforme. Ils n'arrivent pas à l'entendre. On appelle tous les Français, qui qu'ils soient, quoi qu'ils fassent le 9 janvier. Mettez-vous en grève, en arrêt maladie, soyez en absence irrégulière, on s'en fout. Mais votre place pour défendre votre voix, pour défendre la démocratie française, pour défendre ce principe de la Constitution, votre place le 9 janvier est dans la rue, dans les manifs. Défendons notre droit, défendons notre pays, défendons notre Constitution et tous dans la rue le 9 janvier. On va maintenant passer au vote. Donc, bien sûr, les cheminots de PSE votent. Et après, une chanson. Non, les grévistes. Ah, non. Après, une action. Après, une action. On fait la chanson dans l'action. La chanson, c'est le... Donc, que ceux qui sont pour la reconduction du mouvement jusqu'à demain, 11h, lèvent la main. Baissez les drapeaux, baissez les drapeaux. Ouais, baissez les drapeaux. Baissez les drapeaux. Ouais, baissez les drapeaux. Ouais, ouais, ouais. En l'unanimité. Qui s'abstient? Zéro. Qui est pour la reprise du travail? On est une AG, je vous rappelle qu'on est une AG démocratique. Chaque avis compte et chaque avis est légitime. La grève est reconduite jusqu'à demain, 11h. Bon, et ben maintenant, on y va tous tranquillement, calmement, on se suit tous à l'action. C'est une action pacifique, je rassure tout le monde. Donc on se suit, ça va très bien se passer et vous allez voir.